Officier Papito, j'écoute. Ah, bonjour, le monsieur... Monsieur comment bonjour. Vous avez dit ? Sergent Papito. Ah, sergent Papito. Bonjour, sergent Papito. J'ai un petit problème, monsieur. Bah, le truc, c'est que vous allez pas y aller tout seul, parce que c'est dangereux, déjà. Bah, ils sont dangereux, c'est pour ça que je vous appelle. Monsieur. Oh, monsieur. Bonjour. Bonjour. On vient constater les dégâts sur le Marcel. Quels dégâts ? Vous avez quelque chose à dire ? Ben non, je vois même pas ce qu'ils font encore là. C'est quand même étrange que vous n'ayez pas entendu de bruit de tir alors qu'il y a encore les plombs dans la... Non mais vous voilà. Savez, là, je suis une nouvelle moissonneuse qui est dans le fond, la bricole, alors voilà. Vous avez quelque chose à déclarer, monsieur ? Non. Non, pourquoi ? Vous êtes sûr ? Parce que je viens d'ouvrir le coffre et je viens de trouver une arme. Bah ben, vous aussi, j'en ai pas. Ah, vous avez trouvé un fusil ? Ah oui, on a trouvé un fusil, oui. Bah du coup, vous l'arrêtez, ce monsieur-là, parce qu'il n'y en a pas. Ah oui, oui, il va venir avec nous au poste, hein, s'il a un collègue. On ne peut pas l'arrêter tant qu'il... Ah, il a un collègue, c'est sûr, et son collègue, il va être remonté quand il va voir ça. Hein. Dans une heure maximum, vous êtes au poste. Ouais. Mais pas plus tard. Non, mais on y sera de toute façon, monsieur, vous inquiétez pas. De toute façon, vous savez où on habite, donc si on n'y est pas, on y sera, vous inquiétez pas. Ouais, Noah ? Ah, ouais. Tu penses que ce serait pas mieux d'aller à deux voitures ? Parce que ouais, vu le temps qu'il fait, s'il y en a un qui reste coincé, c'est la merde. Ouais ou quoi, ouais. Ouais. Bah ouais, vas-y, go. Ok, bah je prends la range que tu l'as garée là-bas, elle est toujours dans l'hangar vert. Hein. Elle est dans le hangar vert, ouais. Ok. Ouais, juste que tu me la portes. Bah ok, tu sais, c'est où le commissariat de la ville ? Ah ouais, c'est bon, je sais. Okay, ouais, bah, Ok, bah comme ça, je te suis, j'ai même pas besoin de remettre le GPS. Ok, ouais. Vas-y. Vas-y, je ferme juste la porte ici aussi. Ouais, ça marche. Nickel. On va ouvrir ça. Voilà. La Range Rover. Ça, je vais juste fermer le portail parce que je sais pas pour combien de temps on part, mais vu les loustiques que j'ai là, à mon avis, il y en a pour un moment. Voilà. En même temps, c'est un portail en bois, mais bon. Ah, par contre, je veux savoir quand il va arrêter de neiger. Hein. Il avait déjà arrêté tout à l'heure, mais là, je vois que ça a repris. C'est pas bon signe tout ça. Allez, on y va. On va aller voir bien ce qu'ils racontent ces gentils policiers. Bon, je vais quand même appeler Aon. Hein. Je vais quand même appeler Aon, voir si on est bientôt arrivé, parce que là, ça fait quand même. Oh, ça doit bien faire 15 minutes qu'on roule, hein. Ouais. Allo, ah, c'est bon, je t'ai. Là, on est bientôt arrivé parce que moi, je sors jamais de mon patelin perdu là-bas, hein. Ouais, c'est encore, ouais, peut-être un kilomètre et demi. Un kilomètre ? Ça fait déjà 10 heures que j'ai l'impression que ça va être le dernier kilomètre. Fais gaffe, il y a un stop, là. Ah oui, ouais. Bon, tu me connais. T'as pas l'habitude des stops, toi. Tu me connais, moi, et les stops, y a pas de problème, hein. Bah oui. Bah non, mais tu me connais pas, ça se voit, tu me connais pas. Ça fait pas encore depuis assez longtemps que tu travailles à la maison. Par contre, Quentin, il va se poser des questions, hein. Ah, c'est là ? Mais c'est... Attends, non, mais c'est pas là, frère, c'est pas un bureau de police, ça. Bah si, c'est là, et en plus, regarde, y a quoi comme voiture dedans. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça, comme bureau ? C'est pas ça, possible. Ça, me demande pas, hein. Hein ? Me demande pas, c'est pas ma ville, hein, c'est... Ah ouais, bah... Génial. Ah, c'est ma ville, là, le bureau, hein. Ils sont où ? Mais... ils doivent être non. Dans le cabanon là-bas ? Ben, je pense, ouais. Bah, ils sont où les clowns ? Ah ouais, ils sont là. Qu'est-ce qu'il fait que ça ? Bonjour monsieur ! Bonjour. Par contre, on s'est pas trompé de lieu, c'est ici votre bureau de police ? Oui, c'est provisoire, monsieur. Alors il est là, le cancre ! Comment vous parlez ? Non, je parle pas à vous, je parle au monsieur qui nous a tiré sur le massé. Bon, et alors vous avez bien analysé le massé parce que je l'ai pas vu dans le hangar ? Non, il est en analyse. Ok. Bah pour le moment, il va falloir que vous redonnez les faits. Bon, je vous réexplique. Mais de toute façon, le monsieur en face de moi, il nie depuis le début, alors c'est simple. Hein. Je vous réexplique. On déneige la route, on continue la route, on entre dans une route où on n'a jamais été. On atterrit devant leur ferme, pas de panneau de... comme quoi c'est une propriété privée. On ouvre la barrière, on voit des choses, on se dit bah ça appartient à personne, on les démarre. Et là, ils nous atterrissent sur notre gueule avec un fusil à pompe. Ça va jusque là ou... Oui. Ah. Ensuite, on leur demande de pas tirer, parce qu'ils voulaient vraiment nous viser quoi avec l'arme. Hein. Et ensuite, bah, tout simplement, il a tiré sur notre tracteur à deux reprises. Ensuite, tout simplement, on est rentré chez nous, on vous a appelé. Hein. D'accord.
Vous avez il du coup il y a la personne qui est ici présente et il y a qui d'autre? Alors il y a mon collègue qui est là, il y a un autre collègue qui est resté à la ferme parce qu'on sait jamais hein, parce que lui il a un collègue hein, le monsieur là, mais j'ai peur qu'il vienne chez moi en fait. Vous avez dit ils nous ont tiré dessus. Oui, enfin c'est lui qui a tiré, mais il a un collègue qui est encore plus fou que lui hein. Et c'est pour ça que j'ai laissé mon autre collègue chez moi parce que j'avais peur que l'autre il revenait chez moi vu qu'il est pas dans notre. Il ne vient pas ce collègue? Bah je sais pas, faut lui demander, c'est son collègue à lui, il était pas là, il vous a dit qu'il est parti faire des courses. Moi je l'ai appris après. Ah tu l'as... D'accord, donc il doit arriver s'il va arriver quoi. Entrez. Ah bonjour messieurs. Bonjour. Oui, je me présente. Je suis le monsieur là. Monsieur. Pourquoi j'ai tiré sur quelqu'un, je sais pas quoi là. Ah c'est vous, c'est votre. Vous pouvez fermer la porte monsieur s'il vous plaît. Ah oui pardon. On s'entendra un petit peu mieux. Merci. C'est vous qui avez tiré ou c'est votre collègue du coup? Ah bah c'est personne. C'est personne. Pourtant nous on a des preuves, c'est... mais on vous laisse parler hein. Ah bah je voudrais savoir ce qui a été dit déjà parce que. Alors ce qui a été dit c'est que ces messieurs présents ici déneigeaient des routes, sont entrés dans une propriété dont le portail n'est pas marqué propriété privée. Ils ont démarré et déplacé un véhicule et vous êtes arrivés et ils se sont fait tirer dessus. D'accord. Tirer sur du matériel. Ok, alors déjà le portail il était fermé. Bah oui, je l'ai dit ça au départ. Ah, il était fermé à clé. Ah, bah, je l'ai dit. Mais voilà. Comme toi, William. Et de deux, ils ont voulu voler mon canapé. Canapé qui d'ailleurs n'est pas. Alors du coup, dès que j'ai entendu ce bruit. Est-ce que votre canapé est sorti de la propriété? Ah, pas du tout, monsieur. Il voilà. Donc, pour l'instant, là-dessus, il n'est oui, pas sorti de la propriété. Je peux pas dire, mais j'étais quand même dans le garage avec mon collègue. Après, ça ne vous donne pas le droit de tirer sur des gens. Oui, mais ils ont pas voulu partir tout de suite. Oh, ça c'est faux, ça c'est faux. Noah, on est parti tout de suite. Hein. Ah, on a même voulu reprendre le massé, on est reparti. Bande de menteurs. Ah, ça y est. En tout cas, le massé n'a pas pu repartir parce qu'il était criblé de balles. Oui, bah sur les pneus, oui, ça je me doute. Et pas que sur les pneus. Et ils ont dû repartir. Ah, bah donc ils ont tiré, tu vois, vous voyez, ils avouent. Ah, donc vous avez tiré. Mais de toute façon, on a des preuves. Hein. On a fait l'analyse du fusil, il a tiré il y a pas longtemps et les balles correspondent aux balles qui sont sur le tracteur. Ouais, bah, ouais, bien sûr. Hey, t'es malin ça de tirer sur mon tracteur, maintenant tu vas devoir le rembourser. Oh ta gueule toi, me parle pas. Calmez-vous. Ah sinon on fait quoi là? Bah on fait quoi, après ça dépend de vous, vous voulez porter plainte, vous voulez arranger les choses Avec lui. Parce qu'on a des solutions. Après, si vous êtes contre les solutions, ça vas-y, sera. Vas-y, proposez plus... les solutions, je vais écouter. Après, on ira parler avec mon collègue, on verra. Bah, la proposition la mieux qui s'offre à vous, et si tout le monde est d'accord, ce serait que vous deux alliez faire des travaux d'intérêt généraux à la ferme de monsieur. Quoi? Vous étouffez pas, monsieur, vous étouffez pas. Respirez. Arrêtez, ça, je suis cardiaque, monsieur, je suis agi. Très bonne solution, ça. Bah, c'est soit ça, soit il y a amende et jugement et tout ce qu'on veut derrière. Donc, on a des preuves comme quoi c'est vous qui avez tiré. Si c'est pas vous, monsieur, qui avez tiré, c'est votre collègue, mais vous êtes quand même dans le coup. Donc, vous n'allez pas forcément prendre la même chose que votre collègue, mais vous allez quand même prendre du ferme, en tout cas. Donc... Mais on a quand même les aveux qui sont rentrés chez nous aussi. Ah oui, mais monsieur, s'il n'y a pas marqué propriété, ces gens-là, ils sont là pour déneiger. Mais monsieur... Ils vont pas s'arrêter faire un gros tas devant votre route, hein, devant votre portail. Ouais. Ah d'accord, donc il y a un portail, on rentre quand même. D'accord. Ouais. Bon, on peut dire que la prochaine fois, s'il déneige, il laisse toute la neige devant votre portail, et vous pourrez plus sortir. Non mais, on n'a rien demandé, donc ils pouvaient très bien faire demi-tour sans rentrer. Mais ces gens-là, ils font ça gratuitement, monsieur, ils n'ont rien demandé non plus. Bah, et nous aussi, on ils le font pour tout le monde. Nous aussi, on tire gratuitement. Vous tirez sur des gens gratuitement. Gratuitement, oui, ouais. Voilà. La solution qui s'offre à vous, c'est de faire des tiges et... Et juste une question, on sera payé combien pour faire ça? Bah zéro, c'est les travaux d'intérêt général. Vous n'allez pas être payé, monsieur. C'est pour ça, je dis c'est bien. C'est soit vous faites ça gratuitement, soit vous prenez du ferme. Si la proposition est acceptée, il y aura des gens pour les surveiller, vous inquiétez pas. Ok.
Elle sera acceptée quand on saura le nombre de temps. Ah, ben bah, après, si vous voulez pas l'accepter, nous, on lancera le procédure et c'est le juge qui décidera de la sentence. Bah, combien de jours, combien d'heures on doit faire? C'est facile de dire ça. D'heures de quoi? Bah, d'intérêts généraux. Ah, ben bah, ça, si vous n'avez pas encore accepté. Donc, moi, je vous dis le maximum, c'est 6 mois. Donc, après, si vous voulez qu'on lance les procédures et les jugements et tout ça, là, vous pouvez prendre du ferme et monsieur prendre du sursis. Donc, c'est quand même plus que de faire des tiges. On accepte, monsieur l'agent, allez, c'est bon, j'en ai vous pas. Acceptez bon, bah, il est passé au votre collègue, signé, monsieur l'agent. Il est parti aux toilettes, je crois. Je dis monsieur l'agent, mais non, monsieur sergent Papito. Excusez-moi. Il commence quand? C'est de soit demain, soit après-demain. Ah, voilà, bah après-demain, impeccable. Plutôt possible, vous commencez, plutôt vous aurez terminé. Hein. Ouais. Ah, on commencera après-demain, c'est pas grave. Allez, après-demain, oh, ça va être génial. Allez, venez. Au revoir, messieurs, et tenez-vous bien. Au revoir. Ouais, merci, au revoir. On vous dira au revoir à votre collègue, hein. Ouais, au revoir, monsieur le sergent. Et cassez-vous, là. Ah, ouais, ça fera du bien de faire, d'avoir ouais. On va pouvoir virer Quentin maintenant. On va pouvoir virer Quentin, on aura 2 employés gratuits. Ah, mais attendez, mais monsieur, c'est à qui le camion là-bas? Quel ouais, camion? Bah, regarde là-bas à gauche, là. Je vois pas? Ah, si. Mais non. C'est leur camion? Oui, je crois, il me semble, là. Regarde, ils y vont. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, c'est pas... mais t'es sûr que c'est une bonne chose de les avoir chez nous? Ah non, ils viennent d'ouvrir le portail, attendez. Mais attends, ils ouvrent le portail comme ça, c'est qui ces gens? Bah ça doit... à ton avis. Oh putain, mais me dis pas que c'est eux. C'est ça leur moyen de locomotion? Et pourquoi ils viennent? Ah. Et pourquoi ils viennent avec sa moissonneuse, l'autre taré, il a cru qu'on était en... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Regarde-le. Oh, mais regarde-le aller. Attends, l'autre. Oh là 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 là, retire-toi parce que eux c'est des gens dangereux. Ouais, j'espère que la police est pas loin. Eh, non mais il vient faire quoi avec une moissonneuse maintenant l'autre? 100%, il voudra la réparer. Et elle fait pas de bruit sa machine. Je sais pas, ils ont dû mettre un moteur électrique dedans. Ils ont mis un moteur d'aspirateur. Bonjour. Bonjour. On vous emmerde déjà. Vous venez pour travailler tranquillement. Ouais, ok. Pourquoi vous êtes blasé comme ça? Faut être heureux dans la vie, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui, là? J'ai pas mal de boulot, alors il y a tout le bois, là, à charger dans la benne. Ouais, ok. Voilà, déjà ça, bah, pour commencer. Ah, ils sont gros, hein, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Bon, on a les bêtes à nourrir, mais mon ouvrier va vous montrer comment ça se passe, parce que, bon... Okay. Et au fait, on s'est permis d'ouvrir le portail, parce qu'il y avait pas écrit propriété privée dessus. Il fait, il est écrit propriété privée chez moi, je vous emmerde. Ah ouais, bah, j'ai pas, c'est bizarre. Ah, j'ai pas, ouais, bizarre, hein. Bizarre ça, ouais. Vraiment, vraiment bizarre. Par contre, ouais, votre... vous êtes pris pour qui là? On est au mois d'hiver, hein? On est au mois d'hiver. On est en hiver, qu'est-ce que vous venez avec une moissonneuse? Bah, c'est notre seul moyen de locomotion. Bah, non, vous avez le Mahindra? Bah, ouais, mais y a que un siège. L'autre siège, il faut qu'on le répare. Oh là, mais c'est tout à refaire chez vous. Ah, bah, ouais, hein, attendez. Même vous, c'est à refaire aussi en fait. Ouais, parlez pas trop vite, sinon je m'en vais tout de suite. Bah, m'en fous, c'est aux flics que vous aurez à faire, c'est pas moi. Ouais, bah oui, bien sûr, allez. Ah bah, en parlant de flics, regarde ce qu'il y a là. Par contre, c'est. Pourquoi Policia? Ils ont changé de nationalité, la police ou quoi? Bonjour. Bonjour. Alors, il y a tout le monde. C'est vous? Ah, bonjour. Oui, c'est moi. On vous reconnaît pas avec votre casquette et vos lunettes? Je viens vérifier qu'ils sont bien arrivés à l'heure ce matin. Alors, normalement, ils ont dû arriver il y a pas longtemps. Ah, ils viennent d'arriver maintenant, là, il y a 2 minutes. Hein. Je sais pas à quelle heure ils devaient arriver, mais nous, on n'a pas 10 heures. Donc si des fois il y a quelconque problème, n'hésitez vraiment pas à m'appeler directement. Ouais, vous êtes pas loin, enfin je peux vous... Bah dans tous les cas, vous avez mon numéro. Vous avez mon numéro de téléphone, dans tous les cas, s'il y a quelconque problème avec ces personnes-là, vous m'appelez directement. Ah bah ça va, pas de soucis, on vous appellera, pas de problème. Par contre, j'avais une petite question, pourquoi il est marqué Policia sur votre voiture, monsieur? Ah, on a eu une petite... Enfin, toute petite restriction de budget, du coup on a été obligé de racheter des véhicules en Italie. Ah ok, ok, d'accord. Là où vous avez déjà vu notre caserne. Bah ouais, mais moi je pensais que c'était parce qu'ils faisaient des travaux. Ah c'est même ouais, plus. Ouais bon, excusez-nous, mais nous on n'est pas là pour blatter, on est là pour travailler. On était en train de parler s'il vous plaît. Ah, on a mis tout le budget du coup pour la rénovation et on a plus le budget pour les véhicules du coup. Ouais, vous pouvez déjà commencer. Non, pas le Renault. Non. Oh mais qu'est-ce que t'as? Tu veux combien de ton truc dans la benne? Faut savoir. Allez, avance. Ah ouais, je vais l'avancer. Attends. Je le fais, attendez 2 minutes, monsieur l'agent, parce que... Ouais, je le fais parce que sinon on laisse tomber. Vous avez encore besoin de moi ou je vais y aller? Attendez, on va finir notre discussion 2 petites secondes. T'as vu, il fait froid, ses roues sont... ses freins sont gelés. Ah, c'est clair, t'as vu. Hop.
ça faut pas travailler ici. Voilà. La benne sera cassée, hein, tant pis. Allez, hop. Non, non, allez dit doucement, hein. Bon, je disais, monsieur l'agent. Non, mais c'était pas des trucs de travaux chez vous? Oui, bah on est en train de reconstruire parce qu'on a eu quelques problèmes d'isolation avec l'ancien bâtiment. J'espère que vous allez, trouver parce que sinon c'est la merde, hein, par des temps pareils dans un petit bain, petit conteneur comme ça. Eh, doucement, doucement, vous mettez tout au-dessus, allez, réfléchissez, hein. Oh là 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 là, c'est quoi? S'il casse quelque chose, bah vous m'appelez comme ça, vous pouvez poser plein de contrôles directement. Ça va pas. Aïe! On vous appelle. On vous appelle. J'en ai eu un. Bah allez, doucement, toi. Bah allez, je vous laisse parce que je vais aller les surveiller, ça va. Au revoir. Ouais, au revoir, monsieur. Bien, yes. Hop, voilà. Allez-y doucement, hein, s'il vous plaît. Ça c'est à cause de vous que tout le bois est à terre. Hein. Oh merde, le carreau du Renault. Non. Mais putain, mais oh merde.